Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Moi, je fais Fa mineur, Sol mineur, La mineur. On va le faire, de toute façon. Ne quitte pas, ne quitte pas. De pourquoi le cœur du bonheur ne quitte pas, ne quitte pas. Tu m'avais dit de le faire sobre, hein, c'est ça? Écris quelque chose de joli. Quelques mots de bleu et de rose, un instant de métamorphose que tu nommerais l'embellie, l'embellie, l'embellie. C'est lent, hein, putain. L'embellie est un peu lent, je trouve. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps. J'en reviens pas, quoi. Mais comment ils peuvent venir une heure, deux heures avant, prendre leur sandwich, s'asseoir et manger là comme ça et ils attendent. De voir ce public là qui ne me voit pas, je suis bouleversé parce que je vois des gens qui sont là depuis une heure, deux heures, qui attendent. Et moi quand je vois ça, je me dis mais comment je peux pas me donner à 2000%, quoi. C'est quand même eux. C'est... Là je regarde les filles se maquiller. Elles ont chacun leurs gestes qui leur sont propres. C'est marrant, hein. Une femme qui se maquille comme une femme qui s'habille, elle est la seule à le faire comme ça. Et moi j'ai la chance justement d'être maquillée par une de mes musiciennes. D'ailleurs, tout à l'heure on va voir ça. Ma musicienne adorée. Ouais. Et je suis, je crois, assez protecteur aussi avec les musiciens. J'aime bien savoir que tout se passe bien. Là ce sont des jeunes enfants qui vont monter sur scène, donc elles s'occupent d'elles. Bon, après... Bon, il y a quelqu'un qui filme ce soir. Ah mais lui, je te dis pas. D'abord, je te dis pas l'âge qu'il a. C'est impossible. Non, on va pas dire ça.
Je dis simplement souvent que c'est le doyen, mais sans déconner, ça se voit pas. Il fait pas beaucoup plus vieux que moi. 25 ans CFA. À peu près. Lui, tu vois, c'est mon batteur depuis les débuts. Lui, il incarne, mais vraiment comme rarement un musicien qui aura joué avec moi incarnera autant, c'est la fidélité. Non seulement il est mon batteur, et en plus c'est un batteur en plein progrès. Il n'a pas hésité à se remettre en question, à prendre des cours pour pouvoir être encore plus performant. Il l'a fait avec beaucoup de courage, et je le dis devant la caméra et devant lui. Et il le reconnaît. Et je le reconnais. Et tout le monde y a gagné. On est très heureux de cette volonté que Dominique a eue. Et puis surtout, plus qu'un batteur, pendant la tournée, comme il a l'habitude d'accompagner des célébrités, d'ailleurs, je suis le moins célèbre de tous ceux qui accompagnent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il est aux petits soins. Je peux tout lui demander. Il résout tout dans les 30 secondes. Je lui demande un truc, 30 secondes après, c'est résolu. Bon. Et ça, c'est un cadeau. Ouais, sur la dernière fois, j'ai demandé une augmentation, mais bon, c'est... Par contre, cette année, on fête nos 10 ans. Oui, oui. Ça fait 10 ans. Bon anniversaire. Amandine, c'est une artiste accomplie. Elle est d'un éclectisme incroyable. On peut tout lui faire faire sur une scène. Elle peut jouer du violon, elle peut chanter, elle fera pas de striptease, elle peut danser, et d'ailleurs je ne me suis pas privé de danser avec elle. Et puis, elle a une caractéristique incroyable que j'ai notée depuis des années qu'elle est avec moi, c'est qu'elle ne se relâche pas sur scène. Elle est en situation de jeu tout le long, du début à la fin. Je ne sais pas si la caméra ce soir la remarquera, mais quelquefois elle peut avoir des réactions dans la continuité d'une situation, même si personne ne la regarde. Mais moi je l'ai vu. Par exemple, quand j'ai un jeu avec sa comparse, la deuxième violoniste, par exemple, que je m'adresse à la deuxième violoniste, elle est là, etc. Elle joue, quoi. Elle est née sur scène, cette fille-là. D'abord parce qu'elle est d'une famille d'artistes, et puis voilà. Et ça se ressent. Et moi j'aime ça, les vrais artistes. C'est des gens qui sont nés pour être sur une scène et qui s'offrent au public. C'est peut-être aussi parce que j'ai envie de te le faire partager, de partager des choses avec toi. Allez. Betty, elle a un statut à part. D'ailleurs, on la voit souvent avant le spectacle, elle s'isole. Elle a cette capacité, elle est dans son monde, qui est un monde qui lui appartient, même si elle est dans un groupe et qu'elle est extrêmement coopérative et très généreuse. Mais elle a une manière de se préparer et je pense que ça correspond à ce qu'elle est vraiment. Quelqu'un d'intérieur, qui a une richesse intérieure qui s'exhale comme ça, qui radie de ses yeux, de son regard, ses cheveux bleus. Et puis, elle me fait du bien, Betty. Elle me fait du bien parce qu'elle m'apporte une sérénité incroyable. Ses copines, elles sont plus dans le show, dans la démonstration. Et elle est toute en intériorité. Et c'est ça aussi la force d'un groupe et d'un orchestre, c'est d'avoir des personnalités totalement différentes qui se combinent avec merveille. C'est un vrai équilibre. Et il suffit qu'elle soit là, qu'elle me regarde. J'ai l'impression que soit elle comprend mes angoisses et... Moi, ça me fait du bien. Merci, Bernard. Et je t'aime toi aussi. On s'aime tous dans ce groupe-là, sinon on ne serait pas là. Hein. Il vaut mieux rien dire parce que déjà, je suis très très fatigué. Alors, vraiment, je suis exténué, je suis épuisé. On dirait de finesse. Non mais lui, j'ai tout dit déjà sur lui, j'ai tout écrit. Faire mon vélo aussi. Mon vélo, mes chaussures. Pour qu'il fasse ça, c'est qu'il est vraiment fatigué. Ma chérie. Non, ça c'était pas bon. Non, c'est pas ça. Ça c'était pas bon. Lui, pianiste 5 étoiles. Ouais. 5 stelle. Ouais, parce que tu sais, c'est surclassé les hôtels. Ça, c'est comme dans les hôtels. C'est-à-dire que quand t'es chanteur. Ça, mais ça veut pas dire qu'il coûte cher parce que 5 étoiles. Non. Ça, ouais. Pour les chanteurs, c'est cadeau. C'est-à-dire que le mec, il veut chanter, il le croise à lui, il est tranquille. Il a tout gagné. Ben, surtout moi, je sais pas les autres chanteurs. Et puis surtout, c'est un mec d'une humilité mais incroyable. D'ailleurs, il n'aime pas. Humidité. Voilà. Humidité incroyable. Voilà. D'ailleurs, tu t'es quand même touché les mains. Je suis moite de chez moi. Traduction. Il est tellement humble qu'à chaque fois qu'il reçoit un compliment, il le tourne à la dérision. Je l'ai compris déjà. Sa maman m'a tout expliqué. Vie. Sophie, regarde. Quand je dis en spectacle qu'elle est belle de l'intérieur et de l'extérieur, regarde quand même son extérieur, c'est pas mal. Il a toujours cet air un peu nonchalant, il est très décontracté, on se dit tiens il est là, il a vu de la lumière. Mais sauf que c'est mon ingénieur du son depuis le début. Ça fait bien 10 ans qu'on est ensemble, quasiment. Ouais. Et lui il me connaît par cœur. Alors il sait quand je ne suis pas bien, il sait quand j'ai des angoisses. Je l'emmerde souvent en disant que la voix n'est pas assez forte. Ça veut dire que je suis angoissé plus que d'habitude.
Et il a ce talent incroyable. Il le fait aussi dans son studio, hein, Studio Marilyn, hein, qui a fêté ses 20 ans. Il fait ça avec... C'est pour ça que tous les musiciens se précipitent dans son studio. Il a cette faculté qui lui appartient, qui n'est propre qu'à Jean-Pierre, c'est que tout est facile. C'est-à-dire jamais de problème majeur. D'ailleurs, il n'a jamais un visage angoissé, terrorisé, catastrophé. Et il essaie en permanence de rassurer. Et ça, c'est un bijou quand on a aimé comme ça. Merci, Bernard. Tu peux rien rajouter, hein, te paraît. Tu fais quoi ce soir? Ceux qui sont derrière moi, là, qui attendent, ben, c'est grâce à eux que je suis là. S'ils n'étaient pas là, moi, je ne serais pas là. Un chanteur digne de ce nom, il chante pour le public. Il n'existe que par le public. Et moi, c'est sans doute un des aspects les plus incroyables qui me bouleverse depuis que je fais le chanteur. Je me souviens qu'en début de cette tournée, j'ai commencé à Villeneuve-Loubet, chez moi en plus, où il a plu, mais il a plu. Et j'ai vu tous ces gens qui ont attendu sous la pluie pendant au moins une heure et demie. On m'a demandé est-ce qu'on annule. Mais comment je pouvais annuler pour des gens qui attendent sous la pluie, qui sont restés sous la pluie et qui ont redemandé. Et quand j'ai dû m'en aller et raccourcir un petit peu le spectacle parce qu'il pleuvait vraiment trop fort, ils voulaient que je reste. Donc c'est pour ces gens-là. C'est des gens qui sont d'une incroyable fidélité, que je revois pour la plupart chaque année. Vous vous rendez compte que j'ai des touristes qui vivent à Paris, qui sont à Bruxelles ou dans le Nord et qui calent leurs vacances sur mes dates. C'est quand même incroyable. Ils calent leurs vacances sur mes dates. Donc c'est pour ces gens-là qu'on continue.